22 juin 1941. L'Allemagne déclenche l'opération Barberousse, une invasion à grande échelle de l'Union soviétique. L'armée rouge, ne s'attendant absolument pas à cette attaque, subit des pertes catastrophiques dans les premiers jours du conflit. Dans les mois qui suivirent, l'armée rouge allait être contrainte à toujours battre en retraite. La Wehrmacht allait bientôt s'emparer des récentes acquisitions soviétiques dans les pays baltes et en Ukraine occidentale, et poursuivirent leur avancée en Moldavie, en Biélorussie, dans le reste de l'Ukraine et dans de grandes parties de la Russie européenne. Leningrad, deuxième plus grande ville de Russie, était encerclée. L'Allemagne avançait sur tous les fronts et se rapprochait même dangereusement de Moscou. Les choses prirent une tournure différente dès le début de l'hiver. La résistance russe fut enfin renforcée, aidée par l'un des hivers les plus rigoureux depuis des décennies. La machine de guerre allemande fut forcée à battre en retraite. Un an après l'invasion, l'Union soviétique avait payé un lourd tribut à la guerre. Des millions de personnes avaient été tuées ou emprisonnées. D'innombrables villages et villes étaient en ruine. L'Allemagne lança une nouvelle offensive en été. Mais cette fois, la Russie était mieux préparée. La ville de Stalingrad était sur le point de connaître l'une des batailles les plus brutales de toute l'histoire. L'armée rouge n'allait pas lâcher la ville si facilement. La 62e armée soviétique a pour tâche d'arrêter l'envahisseur allemand. Notre cause est juste. L'ennemi sera écrasé. La victoire sera la nôtre. Pilote du 629e escadron de chasseurs sont à votre disposition. Camarades, aujourd'hui nous patrouillons l'espace aérien au-dessus de Stalingrad. La ligne de front se rapproche de plus en plus. Alors les combats vont bientôt s'intensifier. Regardez bien autour de vous. Restez à proximité, couvrez-vous mutuellement et ne prenez pas de risques inutiles.
Я вижу цели. Кто-нибудь, займитесь ими. Есть. Внимание, звено. Не вижу цели. Кто-нибудь, займитесь ими. Командир, не вижу цели. Ich hab sie nicht abschütteln!
Кто-нибудь, атакуйте цель! Командир, не вижу цели! Бойцы, атакуйте цель! Ты сбил его! Кто-нибудь, атакуйте цель! Где цель, командир? Понял, понял.
Un extrait du journal de Andrew Danilov. 23 août 1942. Les Allemands se rapprochent toujours de Stalingrad. Ils ne passeront pas. En tout cas, pas tant que je suis de garde. J'ai rassemblé ma meilleure équipe de pilotes et nous avons pris les I-16. Ce sont peut-être de vieux coucous, mais ils peuvent toujours battre un Messerschmitt en duel. Les Messerschmitt qui pourfendaient le ciel étaient trop nombreux. Impossible de les compter, mais nous les avons abattus les uns après les autres dans l'une des batailles les plus longues et les plus dures de ma carrière. Je ne me souviens pas avoir été physiquement si fatigué. Pour aggraver les choses, après avoir détruit les 109, des Heinkel sont arrivés. Seul, l'adrénaline m'a permis de survivre. Et même si nous n'avons pas pu tous les battre, nous avons renvoyé à leur base les survivants nazis la queue entre les jambes. Un bon bain chaud, c'est un luxe pour nous. Mais je serai content ce soir d'avoir un oreiller sale sous ma tête.